Je vous propose de réaliser une crème dessert au chocolat. Donc pour la crème chocolat, j'ai un peu d'aide. On va prendre 2 cuillères à soupe de chocolat, 3 cuillères à soupe de maïzena, 8 cuillères à soupe de sucre et du... C'est du lait. On va mélanger le tout dans une casserole. Dans la casserole, on va mettre tout d'abord la maïzena. Tu le mets dedans? Bah oui. Voilà. Allez, encore. Voilà. On va mettre un petit peu de lait. Et on va diluer la maïzena pour pas que ça fasse des grumeaux. En bonbon. Tout. Voilà. Ensuite, nous allons mettre le sucre. Yeah. Tu mets le sucre. Bravo. Là, on retourne encore. On va mettre le chocolat. Allez. Hop, 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 hop. Ah. Bravo. Donc, on retourne jusqu'à temps que ça soit incorporé. Tu vois, ça s'incorpore. Ça s'incorpore bien. Et là, on va rajouter le lait. Tout doucement, tu me mets le lait? Tranquillement? Allez. Donc, on mélange bien. Donc, on fait tout à froid pour l'instant. Allez. Tu mets, t'appuies dessus? Donc, voilà notre préparation froide de crème au chocolat. On va le mettre à chauffer au feu. Donc là, bah, le petit bonhomme, bah, il ne peut pas m'aider. Donc là, nous avons mis la crème à chauffer. Elle va s'épaissir progressivement. Quand elle est un peu épaisse, on va arrêter le feu. On n'arrête pas de tourner. Sinon, ça va s'accrocher et ça ne va pas. Après l'avoir fait laisser cuire pendant 10 minutes, nous obtenons notre mélange qui est un peu épaissi. Nous allons les mettre dans des ramequins et les laisser refroidir au réfrigérateur. Allez, par là, regarde. Avec mon petit bonhomme, on a rempli 6 verrines qu'on va mettre directement au réfrigérateur pour qu'elles refroidissent. Et voilà mes crèmes au chocolat. Bon appétit.